Salut à tous, si je vous demandais aujourd'hui de quelle commune sont originaires les Germinois et les Germinoises. Attention, je tends l'oreille, attention, je distribue des cartons rouges. Et oui, vous avez raison, Saint-Germain-sur-Moine, c'est bien ici que je suis aujourd'hui pour vous parler de ce petit morceau de territoire. Je vais rencontrer notamment le maire de la commune, Denis Vincent, et puis dans une seconde partie, je vais m'intéresser au transport BPFM, une entreprise, j'allais dire presque familiale, qui a débuté ici en 1989. Voilà pour le programme, vous me suivez. Allez, j'arrive à destination. Je me gare. Hop là. Ne bouge plus. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Denis Vincent, maire de Saint-Germain-sur-Moine depuis 2008. Tout à fait, depuis 2008. Saint-Germain-sur-Moine, on va en parler. Il existe depuis combien de temps ce terme, cette commune, cette dénomination ? Le nom de Saint-Germain-sur-Moine existe depuis 1910, puisqu'avant ça s'appelait Saint-Germain-les-Montfaucon. D'accord. Et les habitants de Saint-Germain-sur-Moine, comment on les appelle ? Les Germinoises et les Germinois. Enchanté donc, et bien merci à vous. On va rentrer dans le vif du sujet. Un petit portrait actuel de Saint-Germain-sur-Moine. Déjà, il y a combien d'habitants ici qui vivent ? Dernier recensement de janvier 2010, 2823 personnes. Aujourd'hui, on peut estimer, voilà. Presque 3000. Presque 3000, tout à fait. Est-ce que justement il y a des constructions en cours pour atteindre ce chiffre ? Tout à fait. Sur la fin de l'année, nous aurons un lotissement sur 6 hectares, mais qui va être phasé pour pas avoir pour que nos installations puissent accueillir les enfants et la population. Les enfants d'ailleurs, j'en voyais juste à côté, c'est les vacances. Hein. Tout à fait. Les petits chanceux. La superficie de Saint-Germain-sur-Moine ? 2476 hectares. Beaucoup de boisés, comment c'est réparti ? Alors, c'est réparti, on a le sud avec la Moine, donc on a ces vallonnés, des bois, et le nord où on a la deux voies, la RN 249, beaucoup plus plate. Vous ôtez un petit peu les mots de ma bouche parce que je vais vous demander la situation géographique. On a bien compris qu'on était à côté de la RN 249, mais où est-ce qu'on se situe plus précisément ? Alors, dans le sud, quelle commune ? Sud du département, à 35 minutes du centre de Nantes, à 20 minutes du centre de Cholet, à peu près. À peu près. Bon. Eh bien, on va rentrer dans le vif du sujet. Moi, j'aimerais vous demander, je l'ai précisé, hein, vous étiez maire depuis 2008, quels sont vos chevaux de bataille sur ce mandat-là ? Il y en a eu deux. Donc, on a fait le périscolaire et puis le restaurant scolaire pour un coût d'1,6 million. Et nous avons fait la sécurisation des entrées de bourg et de la voie à côté de la salle de sport pour grosso modo 350 000 euros. Comment ça se traduit, monsieur le maire, en termes de sécurité ? On fait des ronds-points, on fait des surlévélations, on fait des sens uniques. Tout à fait, il y a beaucoup d'enfants qui passaient, donc c'était une nécessité. On va passer maintenant au gros dossier, celui que l'on veut aborder. C'est la raison aussi pour laquelle nous sommes ici. C'est symbolique. Derrière se trouve l'ancienne usine JEP. Donc il y a tout un projet de réaménagement du centre, tout du centre-bourg de Saint-Germain-sur-Moine. On va en parler. Et je pense qu'il faut réouvrir pour l'occasion les livres d'histoire. Voilà, tout à fait. Au début des années 80, sur JEP, le JEP Entreprise Paquier, il travaillait 1500 personnes, dont 1000 travaillaient sur la commune de Saint-Germain, sur 3 sites. Et la commune s'est construite un petit peu autour de ces usines. Oui, c'était du site industriel. Donc aujourd'hui, on a des friches industrielles en plein centre-bourg, puisque JEP, c'est que 25-30 personnes aujourd'hui. Donc ce qui est derrière, en gros, va disparaître. En partie va disparaître, on va garder des chaînes pour garder la mémoire industrielle un petit peu. Et ici, on va recentrer toute l'activité commerciale de Saint-Germain, pas celle du centre-bourg historique, mais tous les autres qui sont dans les rues, coiffeuses, etc. Et une supérette à l'arrière qui sera la pierre angulaire du projet. Tout est officialisé, monsieur le maire, tout est validé. Alors, on n'a qu'une lettre d'intention concernant l'enseigne de la supérette. Mais bon, ça avance bien. D'ici un mois, les DCE pour la destruction de l'usine vont être déposés. Donc ça va changer carrément le cadre là dans lequel nous sommes. Si on faisait cette interview dans quelques mois, là, les gens ne reconnaîtraient plus le paysage. Tout à fait, on va redynamiser tout ce centre-bourg. Le tissu économique, parce que l'économie, c'est très important pour une commune. Quels sont les fers de lance, monsieur le maire ?
Alors, il y a deux fers de lance, il y a tout le commerce et l'artisanat, mais il y a également la zone industrielle Val-de-Moine. Zone d'activité. D'activité qui est une compétence de la Comcom. Comcom. Voilà, donc. Moi, les Sèvres. On a des gens comme Pacalim, on a Jeannot Fermeture, on a PST, on a Alliance Construction, et tout le dernier arrivé, c'est Atlantique Conditionnement. On va parler maintenant du commerce de proximité. On en a un petit peu parlé avec le réaménagement. Est-ce que vous êtes doté de plein de choses? Est-ce que vous avez tout ce que vous souhaitez ici ou est-ce que vous êtes obligé de vous déplacer à droite à gauche pour aller chercher telle ou telle chose? Si on a pensé à l'équipe municipale à ce projet, c'est parce que pour la bonne et simple raison, on n'a plus de supérette du tout, plus d'épicerie, plus et rien. Et ça, c'est problématique. Et pour 3000 habitants, c'est pas très logique. Ouais. Donc on profite de l'usine en plein centre-bourg pour redynamiser et en profiter pour, comme pierre angulaire, comme je vous le dis, d'avoir cette supérette. En termes boulangerie On a boulangerie, on a une charcuterie, esthéticienne, bar, restaurant, etc. Marchand de fleurs, coiffeuse, marchand de cycles. Monsieur le maire, si je vous demandais, je ne sais pas moi, de me dire pourquoi vous aimez Saint-Germain-sur-Moine. J'aime vivre ici, c'est vrai, je suis bien. Qu'est-ce qui vous plaît? Je suis bien, c'est une commune jeune, une commune dynamique. On a une cinquantaine d'associations, on a 700 licenciés dans les clubs, dont 60% sont de Saint-Germain, 40% viennent des communes avoisinantes. On a des salles de sport, on a des équipements, on est bien, il nous manque la supérette. Vous avez envie de vous investir davantage? À l'approche de futures échéances, ma question est innocente. J'ai bien compris, question innocente, je suis en pleine réflexion. Bon, moi je vais vous laisser réfléchir alors, puis moi je vais continuer ma route. Monsieur le maire, ravi en tout cas, merci pour ces échanges. Je vous remercie. Puis on viendra voir ce que ça va donner, bien évidemment, dans quelques bien mois. Bien sûr, vous serez avec plaisir. Allez, je reprends la route. Hop là, vous me suivez? Je suis sûr qu'à pleine vitesse, je vais plus vite que le camion qui est derrière moi. Je vous le montrerai un jour. Allez, Pascal Boué. Bonjour. Vous allez bien? Très très bien, vous-même. Ma foi, ça va, hein, très très bien. Merci de me recevoir ici, je vous en prie. Sur votre site. Oui. Je précise que vous êtes le gérant de la société, c'est écrit derrière moi, BPFM, qui signifie d'ailleurs? BPFM, c'est les initiales de toute la famille. Donc il y a le prénom de mes enfants et de mon épouse, ça veut dire donc Boué Pascal, Freddy, Marco et Mathilde au carré. Est-ce que justement certains membres de votre famille maintenant travaillent pour vous, enfin travaillent au sein de la société? J'ai ce plaisir, j'ai mon fils Marco donc, qui nous a rejoint il y a maintenant 5 ans. C'est la relève. Je le souhaite pour l'entreprise, pour ce qu'on a mis en place avec mon épouse il y a maintenant 24 ans. Il vous reste de belles années quand même. Avant qu'ils prennent la relève. Bien sûr. Et allez, on va ouvrir les livres d'histoire, on va parler de la genèse de ce projet. Il faut remonter, il me semble, à la fin des années 80. Oui, 89. 89, mais voilà. Qu'est-ce qui vous a pris? Vous êtes levé un jour et vous vous êtes dit, je vais monter ma société? Si vous voulez, ça a commencé déjà en 77, à sortir de l'armée. J'avais donc mon poids lourd, super poids lourd, je me suis mis comme chauffeur routier. Pour une autre société? Pour une autre société à l'époque. Et puis en 89, comme on le disait à l'instant, je me suis réveillé un matin et je me suis dit, on va tenter notre chance. Et puis voilà, donc aujourd'hui, voilà ce que c'est devenu, donc TBPFM. Mais c'était un pari un peu fou, vous étiez entouré de votre épouse, enfin à l'époque, vous étiez deux dans cette histoire. Tout à fait. C'était plus facile d'ailleurs de se jeter dans le grand bain. Ouais, c'est on va dire de l'ambition, une passion pour les camions, il faut quand même le souligner. Parce que je suis un passionné des camions, donc voilà tout. Puis bon, mon ex-employeur aussi, qui m'a un petit peu aidé dans différentes démarches administratives, dans le projet, on va dire. Et puis voilà, et de fil en aiguille, ça s'est monté comme ça. Vous vous êtes implanté là où nous sommes aujourd'hui. Je précise que vous êtes germinois, d'ailleurs, pur germinois. Tout à fait. Mais est-ce que vous avez commencé ici? Ah non, du tout. J'ai commencé dans ma maison qui est à 100 mètres d'ici. Une maison, donc notre maison propre à nous. Et on a commencé comme ça. Donc le camion, on le garait sur la pelouse le soir. On avait un tout petit bureau et puis... De fil en aiguille, voilà. Alors, ce qui amène à un parc de combien aujourd'hui? Aujourd'hui, le parc, c'est 150 cartes grises, dont 110 moteurs. Pour en personne, c'est 152 personnes à l'instant où je vous parle, dont 10% de personnel féminin.
Et puis en administratif, donc je recrée un poste là courant mars, on va recréer un poste administratif et on va être 6 personnes. J'aimerais, Pascal, que l'on se recentre sur votre cœur de métier parce qu'on n'a pas forcément expliqué aux téléspectateurs. Vous proposez quoi comme type de service, comme de transport ? Bah nous, notre métier à la base, c'était la messagerie, la petite messagerie. On a commencé comme ça. Et au fil du temps, donc, on est passé donc, en messagerie poids lourd, ensuite longue distance à travers du fret industriel, nos clients propres, de la liaison routière, parce qu'ici on est quand même dans un monde, dans une région quand même très messagerie. Donc on fait beaucoup de liaisons routières la nuit. La vicole, il ne faut quand même pas l'oublier, parce qu'on a quand même un site tout près d'ici. Donc ça nous a permis quand même de nous développer à travers l'Europe. On fait toujours un petit peu l'Europe, moins aujourd'hui. C'est plutôt eux qui viennent vers nous. Mmh. Et puis, au fil du temps, donc aussi mise en place donc à travers mon fils Marco, qui lui gère justement la partie logistique. Logistique, très important. On laisse pas un mètre de plancher vide dans un camion. Ça, c'est très très important de nos jours pour optimiser justement nos flux d'exploitation. Et puis voilà. Pascal, est-ce qu'il y a une branche parmi celles que vous avez citées qui marche plus qu'une autre aujourd'hui en 2013 ? La messagerie. La messagerie, parce qu'aujourd'hui, vous savez, les gens commandent vraiment à l'instant T. Donc on commande le jour J pour être livré au J plus 1. Donc c'est vrai que la messagerie prend une part importante dans notre activité. 2013, je viens de le dire, bon, on traverse une crise, les médias le disent assez. Comment vous la percevez ? Est-ce que vous faites front ? Est-ce que c'est difficile actuellement ou non ? Est-ce que les affaires marchent bien pour vous ? Je dirais que bon, que ça marche, oui, l'activité est là, on a l'activité. Le problème, c'est bon, nos marges d'exploitation, elles diminuent de jour en jour, ça chacun le sait, et c'est pour un petit peu tout le monde pareil. Ce qui nous fait peur demain, là, en automne prochain, c'est l'arrivée de l'écotaxe. Ça vous fait peur, ça ? Ça nous fait peur parce qu'on n'a aucune visibilité, aucune. On sait qu'à partir de juillet 2013, on va disposer des appareils écotaxe, on pourra faire des simulations, ça ne sera pas facturé, donc ça nous permettra justement de pouvoir savoir un petit peu où on va. Parce qu'il y a des textes de loi qui disent qu'on doit la remettre en pied de facture. Maintenant, comment nous allons faire exactement ? Est-ce que tous nos kilomètres vont être rémunérés au niveau de l'écotaxe ? Ça, on ne le sait pas, en fait. J'ai bien pris part de vos doutes. J'aimerais juste ouvrir une parenthèse sur l'homme que vous êtes. Dites-nous en plus, quelles grandes lignes vous fixez par rapport à vos salariés ? Qu'est-ce que vous imposez ? Déjà, en premier, je dirais en tout premier, c'est la convivialité, réciproquement. Hein, j'aime bien discuter avec mes salariés, je suis d'abord avant tout un homme de terrain, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de dialogue. Après, ce que je leur demande, c'est de la rigueur, du professionnalisme, et tout ça font que, ben voilà, ça, aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. Et le poste, justement, qu'on a créé administrativement, c'est pour demain, justement, ouvrir certains débats, justement, à travers cette personne qui va être en place, et nos salariés, à travers des entretiens, etc., savoir ce qu'éventuellement on peut apporter, parce qu'ils ont aussi leur mot à dire, ce qui est normal. Donc à travers tout ça, on va voir un petit peu ce qui va en sortir. Vous êtes, Pascal, le plus gros employeur de Saint-Germain-sur-Moine. C'est une fierté, un aboutissement Fierté, non, parce que j'ai envie de dire que bah, ça s'est fait comme ça au fil du temps. On a eu des opportunités, on les a pris. Il a fallu créer des emplois, acheter du matériel. Et puis un jour, on se réveille, on se dit, tiens, en fait, on a 150 personnes. Et c'est vrai que quelque part, il y a des fois, on se dit nous-mêmes, on a monté ça. Donc l'avenir, on l'a plus ou moins compris, c'est votre fils. Mais comment vous le voyez, vous, l'avenir ? C'est diversification, c'est... Je dirais avoir un portefeuille client encore plus étoffé. Moins de parts de marché chez tel ou tel client. Vraiment avoir des petites parts chez un tel ou un tel ou un tel. Et puis après, diversité, ben, on le fait déjà pas mal aujourd'hui à travers tout ce qu'on fait. Après, on ne sait pas ce que... Comment est fait l'avenir ? Pascal, je vous remercie. Je vous en prie. Je vous souhaite bonne continuation, bonne route. Merci. Merci à vous. Ça marche aussi pour vous. Bonne journée. Vous savez quoi, mes petits amis, il est déjà l'heure de conclure cette émission. Et oui, je sais, le temps passe trop vite, mais quoi de mieux pour la conclure que de finir sous le soleil. Mon vélo et moi, on prend juste quelques minutes de repos et promis, on reprend la route. Allez, à plus dans Tour des Communes. Salut !